décès tragique à Calais. Pas tous ceux qui ont trouvé la mort en tentant d'arriver au Royaume-Uni depuis Calais ont pu encore être nommés, mais mardi soir, un jeune Soudanais s'est ajouté à cette liste tragique. Il est la 9e personne depuis le mois de juin à mourir en fuyant la misère des camps de Calais pour rejoindre le Royaume-Uni. Heurté par des voitures sur l'autoroute, noyé dans un canal à l'entrée du tunnel sous la Manche, tombé en essayant de s'agripper à un train. Désormais, les histoires racontant à quel point ces personnes sont désespérées de rejoindre le Royaume-Uni sont rapportées quotidiennement. Les appels à la répression du trafic d'êtres humains ignorent le fait que ceux qui essaient de monter dans les trains, même de traverser la Manche à la nage, n'ont pas les moyens de payer les passeurs pour les aider à rentrer au Royaume-Uni. Contrairement aux idées reçues, tous les migrants de Calais ne sont pas déterminés à rejoindre le Royaume-Uni. Dans le froid glacial de l'hiver ou sous le soleil brûlant en été, de nombreuses personnes à qui j'ai parlé dans les camps de Calais m'ont dit qu'elles seraient heureuses de demander l'asile en France si elles n'étaient pas contraintes de dormir dehors en attendant que leur demande soit examinée. Selon certains demandeurs d'asile avec lesquels je me suis entretenu, l'enregistrement d'une demande d'asile à Calais peut prendre plusieurs mois. En attendant, ils ne sont éligibles pour un logement. Les personnes blessées, parfois fracturées, ont également dit avoir été battues par la police française. Des dizaines ont dit que des policiers les ont attaqués au gaz lacrymogène. This morning, 18 August 2015, civil administration military representative came to the village of Nisai in the northern Jordan Valley, which has about 1,500 residents. Part of the village is defined as Area B and part as Area C. The forces demolished 17 structures, 10 residential tents and sheds, and the remainder of four livestock rearing. The demolitions left 48 people homeless, including 31 minors. Most of the families whose homes were demolished already lost their homes in previous demolitions by the civil administration in 2014. Temperatures of up to 41 degrees Celsius were recorded today in the Jordan Valley. In most of the communities in the area, as in other parts of the West Bank, Israel prevents Palestinians from establishing permanent homes and connecting them to water and electricity infrastructures, thereby leaving them exposed to harsh weather conditions throughout the year. These demolitions take part in the context of efforts by the military and the civil administration to push Palestinian communities out of Area C. These expulsion plans run counter to the provisions of international humanitarian law, which prohibit the forcible transfer of protected persons, unless carried out for their own protection or for an imperative military need. Even when the transfer meets this criteria, it must be temporary. Moreover, as the occupying power, Israel has an obligation to work for the benefit and welfare of the residents of the occupied territory. The plan to expel this resident from their homes as well as impose living conditions on someone would undermine their source of livelihood and violates this obligation. Aux personnes vivant dans le camp de fortune avoisinant des repas, de l'eau et un endroit pour recharger leur téléphone portable, ainsi qu'un abri pour 100 femmes et enfants, mais ils devraient faire beaucoup plus. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a déclaré que l'État a toujours fait face à ses responsabilités, alors que la France annonçait que 120 agents des forces de l'ordre allaient être envoyés à Calais pour sécuriser l'accès au tunnel sous la Manche. En réalité, la France n'aura pas fait face à ses responsabilités tant que les demandeurs d'asile à Calais n'auront pas pu enregistrer leur demande sans délai, tant que leur dossier n'aura pas été traité rapidement et équitablement, et tant qu'un logement adéquat ne leur aura pas été fourni pendant les attentes d'hivernance. La France devrait également faire face à ses responsabilités en ordonnant une enquête en délai sur les rapports d'asile par la police et de harcèlement de migrants et de demandeurs d'asile à Calais et en s'assurant que ces abus seront protégés. La France a les moyens de récupérer considérablement la situation de Calais de façon humaine. Cela pourrait aider à réaliser des efforts de la France.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
my son Chris almost done.
Long queues have been reported in some of these locations.
UNHCR understands the challenges faced by Israel in managing the reception of migrants and asylum seekers. However, it is important that their treatment for asylum seekers be in line with international refugee and human rights law of asylum seekers. Let us, my friend,
charme.
Thank you.
nouveau quartier, disposant d'équipements destinés à servir une communauté de juifs religieux à la place du village, n'aurait pas un caractère discriminatoire dans la mesure où, en principe, les résidents bédouins de Maghreb pourront y acquérir des logements. Dans un deuxième dossier, la Cour suprême a refusé de geler les ordres de démolition du village palestinien de Susia Padakeli, au sud de la Cisjordanie occupée, qui compte 340 habitants. Ces villageois ont construit des habitations sur leurs propres terres agricoles, après que les autorités israéliennes ont statué que le village se situait sur un site archéologique et procédé à l'érection des grottes et en servait de l'État. En 2013, l'administration militaire israélienne a rejeté un plan local d'urbanisme qui avait donné aux résidents la possibilité de construire et d'agrandir leurs habitations. C'est une triste journée lorsque la Cour suprême israélienne accorde une couverture légale à des expulsions forcées, comme c'est le cas dans ce village. Le gouvernement israélien devrait laisser les habitants de ces localités rester où ils sont et non pas les forcer à déménager une nouvelle fois, a affirmé Sarah Lee Wilson, responsable de Human Rights Watch, dans un communiqué. Environ 80 000 bédouins vivent sous la menace permanente de démolition de leurs habitations dans 35 villages de Negev qui n'ont pas statut légal pour les autorités israéliennes. En Cisjordanie, les autorités israéliennes ont approuvé moins de 6% des demandes de permis de construire présentées par les Palestiniens entre 2000 et 2012. L'UNICEF évalue à environ 700 chaque année le nombre d'enfants palestiniens de 12 à 17 ans. En grande majorité des garçons arrêtés, interrogés et détenus par l'armée, la police et les agents de sécurité israéliens. Soit 7000 enfants depuis les 10 dernières années. Ces enfants subissent de mauvais traitements. Ces mauvais traitements, contraires aux règles internationales, comprennent l'arrestation chez eux entre minuit et 5 heures par des soldats lourdement armés, le fait de bander des yeux des enfants et de leur lier les mains pour des attaches en plastique. Tenir des ados forcés lors d'interrogatoires multipliés en l'absence d'accès à un avocat ou à des membres de la famille de l'enfant. Les enfants ne sont pas informés de leurs droits dans leur langue maternelle, c'est-à-dire l'arabe. Les familles des enfants ne sont pas informées de la procédure en cours ni du lieu de détention de leur enfant. Les mineurs palestiniens de 13 ans ou moins encourent des peines allant jusqu'à 6 mois de prison. Mais à partir de 14 ans, ils peuvent se voir condamnés jusqu'à 10 ans de détention pour jet, pierre, le délit pour lequel ils sont généralement poursuivis. 20 ans si la cible est un véhicule en mouvement avec UNICEF. Ces pratiques violent le droit international qui protège tous les enfants contre les mauvais traitements quand ils sont en contact avec les forces de l'ordre et les institutions militaires et judiciaires. Israël affirme de son côté avoir collaboré à l'élaboration des rapports et s'est engagé à en étudier les conclusions pour œuvrer à les appliquer en coopération avec UNICEF. Donc, nous apprécions et respectons le travail, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien. Sur les 38 recommandations dictées par l'UNICEF en 2013, seules deux recommandations ont été suivies par les autorités israéliennes à ce jour.
this morning, 18 August 2015, civil administration and military representative came to the village of Fasay in the northern Jordan Valley, which has about 1,500 residents. Part of the village is defined as Area B and part as Area C. The forces demolished 17 structures, 10 residential tents and shacks, and the remainder of 4 livestock herds. The demolitions left 48 people homeless, including 31 minors. Most of the families whose home were demolished already lost their homes in previous demolitions by the civil administration in 2014. Temperatures of up to 41 degrees Celsius were recorded today in the Jordan Valley, in most of the communities in the area, as in other parts of the West Bank. Israel prevents Palestinians from establishing permanent homes and connecting them to water and electricity infrastructures, thereby leaving them exposed to harsh weather conditions throughout the year. The civil administration has left the families whose homes were demolished today and over recent days in conditions of extreme heat without any solution and without even the most basic service. La Cour de cassation française considère que le fait de maintenir en pleine garde à vue une famille comprenant un bébé de 2 mois dans l'espace réservé aux familles d'un centre de rétention administrative, CRA, ne constitue pas en soi un traitement inhumain ou dégradant. CRA aux Alpes-Maritimes, caserne de Vois, rue des Robes Lumières, 06-310, capacité 40 personnes. CRA du Barin, rue du Fort, 6718, Gleisbolsheim, capacité 36 personnes. CRA des Bouches-du-Rhône, 26 boulevard d'Adèle Casanova, 13014 Marseille, capacité 136 personnes. CRA des Sols, hôtel de police, rue Émile Zola, 91 120 Palaiseau, capacité 40 personnes. CRA du Gard, rue Clément Adair, 300 000, capacité 126 personnes. CRA de Guadeloupe 6 de Nantes-Verguin, 9739 Les Amis, capacité 40 personnes. CRA de Haute-Garonne, avenue Pierre-Georges, à Télcoé, 31700, Corne Barrio, capacité 126 personnes. CRA de Gironde, commissariat central, 23 rue François de Sourdis, 33 rue Bordeaux, capacité 20 personnes. CRA de Hérault, 15 quai François Mayol, 34207, capacité 22 personnes. CRA de Villemilène, lieu dit Renel, 35136, Saint-Jacques-de-la-Lande, capacité 58 personnes. CRA de la Réunion, de Georges Brassens, Sainte-Clotilde, 37490 le Chaudron, capacité 6 personnes. CRA de Moselle, du chemin vert, 5770 Metz-Queleux, capacité 98 personnes. CRA du Nord, le site groupe de la Drève, 59810 Célestin, capacité 96 plus 41 personnes. CRA de Paris, 1 avenue de l'école de Joinville, 75-09 Paris, capacité 280 personnes. Palais de justice, 3 quai de l'horloge, 75-001 Paris, capacité 42 personnes. CRA du Pas-de-Calais, hôtel de police, boulevard du Pec, 62-203 Coquet, capacité 60 personnes. CRA de Tiramis, Antique, de Curie, 64-700 Paris, capacité 30 personnes. CRA de Pyrénées Orientales, des frères voisins, 66 000 pertinents, capacité 48 personnes. CRA de Rome, poste de police de frontière de 206, 60-85, capacité 120 000 personnes. CRA de Seine-et-Marne, de Paris-Chier, 27-95, de Minamo, capacité 380 personnes. CRA de Seine-Maritime, de personnel de police montée de l'Essara, 76-350, poste capacité 72 personnes. CRA de Seine-Saint-Denis, hôtel de police, 45-46-3-4-2-2, capacité 55 personnes. CRA de Seine-Denis, 189, avenue François Mitterrand, 70-370, Pélézille, capacité 32 personnes. Je crois que c'est une vidéo de la 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 vidéo
cheval, il offrait le piquet à la tombe de la gloire claire de la soirée de l'écrire à la perle. Lorsqu'il a fait la marche de fin de sa faute, avant de cheval qui lui a trouvé à la vie, il lui a fait la faute par le cheval. Il lui a fait la faute de la vie, il lui a fait la faute de la vie, il lui a fait la faute de la vie, il lui a fait la faute de la vie, אבל הייתי אחת המטרות של העניינים שמקיים הצבא בגלל, הם סילוק הפלסטינים הגרים שם. הערכה, התושב הבקעה בתחילה בצלם באזור, הביאו את השפעתה של המציאות זו על המשפחות שקורה. Le sage de Léon Fauché, Reims, 1er juillet 2014,
par personne évacuée par les autorités. Plus de survivants qui ont gros le tissu en 2014, 50 personnes évacuées par les autorités. Boulevard de Gerland, Lyon, Rhône, 11 juillet 2014, 200 personnes évacuées par les autorités. Pontacune, Saint-Paul-sur-Mer, Nord, 15 juillet 2014, 80 personnes évacuées par les autorités. Squat, Antilles, Alpes-Maritimes, 17 juillet 2014, 15 personnes évacuées par les autorités. Squat, Jeanne-Vie, Haute-Seine, 18 juillet 2014, 30 personnes évacuées par les autorités. Siège, La Paix, Bourg-en-Bresse, 1, 21 juillet 2014, 54 personnes évacuées par les autorités. Rue Florent, Évrard, Saint-Étienne-la-Loire, 22 juillet 2014, 120 personnes évacuées par les autorités. Porte de la Chapelle, Paris, Paris, 23 juillet 2014, 50 personnes évacuées par les autorités. Le long de l'ancien hippodrome, passage du Tour de France, Pont-Douvres-les-Sommes, 24 juillet 2014, 50 personnes évacuées par les autorités. 124 boulevard de Pompierre, Marseille, Bouches-du-Rhône, 24 juillet 2014, 140 personnes évacuées par les autorités. Avenue du Bonnet, Châtillon-Essonne, 29 juillet 2014, 40 personnes évacuées par les autorités. Boulevard Chagall-Aulnay-sous-Bois, CN5, 30 juillet 2014, 450 personnes évacuées par les autorités. Avenue de la République, Nanterre, Haut-de-Sète, 30 juillet 2014, 400 personnes évacuées par les autorités. 3-10, rue des Jeunes-Poussant, Grenoble-Isère, 31 juillet 2014, 58 personnes évacuées par les autorités. La Poste, Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne, 7 octobre 2014, 200 personnes évacuées par les autorités. La Gare, Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne, 7 octobre 2014, 150 personnes évacuées par les autorités. 35 boulevard, Docteur Ekel, Marseille, Bouches-du-Rhône, 9 octobre 2014, 150 personnes évacuées par les autorités. Avenue Général Leclerc, Nanterre, Haute-Seine, 12 octobre 2014, 30 personnes évacuées par les autorités. Bordure, Rhin, La Cordeuse, Seine-Saint-Denis, 13 octobre 2014, 30 personnes évacuées par les autorités. Rue Constantine, Saint-Denis, Nord, 13 octobre 2014, 120 personnes évacuées par les autorités. École Vitier, Bobigny, Seine-Saint-Denis, 21 octobre 2014, 350 personnes évacuées par les autorités. Chemin de la sauvegarde de Cuillerose, 22 octobre 2014, 44 personnes évacuées par les autorités. Viaduc de l'Est de France, Nanterre, Haute-Seine, 24 octobre 2014, 40 personnes évacuées par les autorités. Derrière la gare, Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, 26 octobre 2014, 60 personnes évacuées par les autorités. Rue de la Chaux-Rivière, à Lille-Nord, 28 octobre 2014, 57 personnes évacuées par les autorités. Boulevard des Amis, Marseille, Bouches-du-Nord, 25 octobre 2014, 40 personnes évacuées par les autorités. Rue Émile Zola, Chamois-Isère, 28 octobre 2014, 15 personnes évacuées par les autorités. Rue Jean-Paul, Marseille, Bouches-du-Rhône, 31 octobre 2014, 20 personnes évacuées par les autorités. IUT Université du Havre, Le Havre, Seine-Maritime, 31 octobre 2014, 100 personnes évacuées par les autorités. 12 novembre, Saint-Est, Rennes, Livry-sur-Seine, Val-de-Marne, 13 novembre 2014, 80 personnes évacuées par les autorités. Rue Ambroise-Croisat, Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, 13 novembre 2014, 300 personnes évacuées par les autorités. Rue du Chemin Vert, Sucy-Ambry, Val-de-Marne, 13 novembre 2014, 100 personnes évacuées par les autorités. Rue Galilée, Cité du Gard, Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne, 20 novembre 2014, 35 personnes évacuées par les autorités. Anciens abattoirs, 26 Haute-Savoie, 27 novembre 2014, 130 personnes évacuées par les autorités. Rue de la Madeleine, Biche-Nord, 4 décembre 2014, 24 personnes évacuées par les autorités. Rue des Museaux, Damary-les-Lys, Seine-et-Marne, 8 décembre 2014, 100 personnes évacuées par les autorités. Rue de la Chazotte, La Talodière, Loire, 10 décembre, 70 personnes évacuées par les autorités. Rue des Hérons, 1910, Yvelines, 10 décembre 2014, 39 personnes évacuées par les autorités. Entre Seine et Coiffure, 117, 112 décembre, 229 personnes évacuées par les autorités. Rue de Mars, Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne, 10 décembre, 120 personnes évacuées par les autorités. Rue de la Nouvelle, Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne, 17 décembre 2014, 20 personnes évacuées par les autorités.